Bonjour et bienvenue à l'Assemblée générale du Pain quotidien. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes très nombreux et on est content de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Alors, le Pain quotidien, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une association chrétienne caritative de 1901 qui a été créée par la vision du frère Chora. Donc, et aujourd'hui, en 2019, on va vous présenter tout ce qui a été fait. En 2002, il faut savoir que l'association Pain quotidien faisait de la solidarité internationale, mais également de l'épicerie solidaire, on faisait des visites auprès des sans-abri, on aidait aussi les personnes en prison, enfin vraiment beaucoup d'activités. Et en 2015, on a décidé de séparer justement ces activités en associations indépendantes et distinctes. Et nous sommes revenus à notre cœur d'activité qui est la solidarité internationale. Donc la solidarité internationale se traduit par des enfants qui sont parrainés dans des structures dans lesquelles nous menons des projets. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter donc, nos structures qui sont dans le monde entier, dans différents continents. On va aborder également nos activités en France parce qu'on n'oublie pas aussi notre pays. Nous allons faire également un bilan financier et une partie questions-réponses. Alors sur cette carte monde, on peut voir qu'il y a, nous sommes présents sur 3 continents, 3 structures en Amérique latine, 8 structures partenaires en Afrique et une structure partenaire en Asie. On va aller dans le détail pour chaque continent. Alors en Amérique, donc les 3 structures sont Haïti, une école mixte des frères Toussaint, nous sommes partenaires depuis 2011. C'est la structure la plus ancienne de ce continent. On a le Mexique, la Casa Hogar Niños en Victoria, qui est depuis 2016, avec lesquels nous sommes partenaires. Et enfin, la Colombie, un partenaire plus récent, ASECOL, depuis 2017. Maintenant, nous allons aborder le détail dans notre structure en Haïti, qui est l'école mixte des frères Toussaint. Et c'est une école maternelle qui va de la maternelle à la primaire et dans laquelle nous avons 300 enfants, 300 élèves, dont 37 enfants parrainés. Et en 2018, nous avons pu envoyer 11 100 euros. Donc dans les 11 100 euros, il y a le parrainage enfants, mais il y a également tous ceux qui sont parrains projets. Donc on va vous présenter les projets qui ont été menés dans l'école. Alors, on a fait des achats d'uniformes et matériel scolaire. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu les îles. Ils portent des uniformes. Donc, on achète du tissu et les familles qui envoient leurs enfants sont pauvres. Donc, on leur fournit le tissu et des couturières font leur uniforme. On leur fournit également leur matériel scolaire. Donc là, on peut voir les petits de la maternelle. Et les plus grands avec des cartables, des sacs, ce qui est assez sommaire et nécessaire ici, mais qui ne l'est pas en fait dans cette île. Et puis nous avons également participé à la présence d'une infirmerie dans cette école. Alors l'île est connue pour des maladies qui sévissent sévèrement. Et donc nos enfants, on veut les protéger en leur administrant un traitement préventif donc toutes ces maladies. Donc, et également des premiers secours s'il y en a qui sont malades. Donc on s'occupe de leur santé. Nous faisons également de la distribution de kits alimentaires et d'hygiène. Alors tout cela bénéficie vraiment aux 300 élèves. Je répète, lorsqu'on parraine un enfant, en fait, c'est vraiment toute la structure également qui en profite. Et donc on peut pas en tout cas parrainer 300 enfants. Mais on peut parrainer 37 enfants et en faire participer 300. Et c'est ça vraiment la grâce qu'on a dans cette école. Et c'est pour ça que nous distribuons à tous nos élèves donc des kits alimentaires et d'hygiène, donc de quoi se nourrir et de quoi se vêtir et se nettoyer. Et enfin, parce que c'est une structure chrétienne, nous avons un partage biblique tous les samedis, donc avec un goûter donc avec ses enfants. Alors cette année... Et les années précédentes également, c'est une problématique récurrente dans cette école, c'est la vétusté des locaux. Donc elle est faite avec des tôles, les cloisons sont fines, les classes sont surchargées. Donc ce n'est pas des conditions idéales pour étudier.
On peut le voir ici sur cette photo, le nombre d'élèves qu'il peut avoir sur un banc. Donc, c'est une des problématiques que nous avons vues. Et la seconde, c'est également la pauvreté de ces familles. Donc, qui dit pauvreté, dit on ne se nourrit pas. Et on vient à l'école, certes, mais le ventre vide. Alors, c'est un fléau. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur de les aider. Mais on s'attaque à 300 élèves. Alors, vous imaginez le montant qu'on doit dépenser, en fait, pour nourrir ces 300 élèves. Donc, on a déjà tenté de faire une cantine, de mener ce projet. Et on réfléchit, les cartes sur table, à vraiment pouvoir apporter un congé concret pour qu'ils puissent avoir un repas plusieurs fois par semaine. Un repas bien consistant le matin, afin qu'ils puissent pouvoir avoir un repas complet pour la journée. Donc, nous voulons le faire par le biais soit d'un partenariat avec un commerce, donc extérieur à l'école, ou sinon un groupe de veuves, parce que la plupart des familles, ce sont des mères seules, et on aimerait aussi les faire participer à ce projet. Voilà pour Haïti. Nous allons passer à la deuxième structure, qui est la fondation ASECOL, qui veut dire Association des Semillas de Colombie. Donc une association de la semence de Christ. Donc dans cette association qui est beaucoup plus récente, nous avons 8 enfants parrainés et nous avons envoyé en 2018 6 148 euros. Donc cette vision, c'est une sœur qui prenait des cours d'IDASCO ici à Évry, d'origine colombienne, qui a fait une formation d'enseignement et qui a eu à cœur en fait, de repartir dans son pays d'origine et aider particulièrement les tribus indigènes. En effet, je ne sais pas si vous connaissez cette problématique en Amérique latine, on fait sortir les tribus indigènes de leurs terres, on s'accapare de leurs terres, et donc ils sont obligés de partir, et ils atterrissent dans des pays qu'ils ne connaissent pas, dans des villes qu'ils ne connaissent pas, dans des ghettos, en communauté, donc avec des traditions, des cultures très fortes, très marquées, donc par exemple la communauté Ambara n'a pas de chaussures, ne parle pas espagnol, donc c'est impossible de s'intégrer. Impossible de s'intégrer dans la société. Donc qu'est-ce qu'on fait comme travail? Vous imaginez la prostitution, toutes choses en fait, qui n'honorent pas le Seigneur. Donc c'est avec ce cœur-là qu'elle est partie et elle a rencontré cette communauté, les voici. Et concrètement, elle a mis en place en fait, des cours scolaires, des cours. Donc déjà par rapport à un apport matériel, c'est la première des choses, de vêtements et de chaussures. Et bien sûr, présenter Christ, parce que cet amour vient vraiment de Jésus. Alors voilà une photo d'un enfant, justement, qui a ses cahiers, son matériel scolaire. Et donc la sœur Carolina a commencé à faire classe à l'extérieur, donc avec des enfants qui n'avaient jamais été dans une classe, vous imaginez, donc un peu dans un espace illimité, donc très difficile. Donc, son histoire a touché une directrice d'école qui a décidé d'ouvrir son école publique à cette communauté, à cette sœur, et leur a offert une classe. Donc, aujourd'hui, ils sont dans une école publique, ils ont une classe, ils étudient certes à part, parce qu'ils doivent étudier l'espagnol, tout recommencer du début, et on reprend le rythme de chaque enfant. Donc, ils ont un rythme différent, forcément. Mais ils sont quand même intégrés dans cette école, donc peuvent bénéficier, enfin parler avec les petits Colombiens en fait là-bas. Comme cette sœur travaille avec eux, c'est vraiment son travail, donc on lui verse un salaire. On lui verse un salaire. Et ces cours d'espagnol ne bénéficient pas uniquement aux enfants, mais également aux adultes qui ont besoin de maîtriser cette langue pour être réinsérés professionnellement. Voilà quelques photos de cette classe et du travail de ces enfants qui ont fait énormément de progrès par la grâce de Dieu. Donc on peut voir qu'ils font des additions, qu'ils lisent, qu'ils parlent espagnol et ce projet a commencé seulement au mois de mars. Donc c'est énorme tout ce qui a été fait et les progrès sont à la hauteur de notre Dieu. Alors, je fais un petit focus sur ce petit garçon,
Son histoire a commencé en fait dans l'école. Carolina, comme je vous l'ai dit, travaille dans cette école. Et dans la cour de récréation, elle a vu ce petit garçon prostré seul, qui était assis. Elle est allée vers lui, a vu qu'il y avait un problème physique, on peut le voir sur la photo, un problème de cage thoracique et de la colonne vertébrale. Et il était avec une bouteille d'oxygène. Alors, la première des choses, c'est qu'elle a acheté un sac à dos, parce que cette bouteille d'oxygène est très lourde. Donc, la première chose, apporter un sac à dos. Puis, son histoire, en fait, a été médiatisée jusqu'au Mexique. Et des présentateurs télé sont venus, ont médiatisé son histoire. Et donc, des spécialistes de médecine, de la chirurgie, ont été touchés et ont décidé, en fait, de prendre à cœur, en fait, son cas. Donc aujourd'hui, il a reçu 4 opérations chirurgicales très lourdes et il en reste d'autres. Donc on soutient, c'est-à-dire qu'on parraine cet enfant afin de soutenir la famille dans les déplacements, dans la nourriture. On imagine une famille avec un enfant malade, même ici en France, c'est pas évident, alors là-bas c'est d'autant plus difficile. Et par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux. On est très encouragés par cette force de caractère qu'il a et les parents nous remercient chaleureusement en fait de cette aide et de cet amour. Alors, vous n'êtes pas sans connaître la situation du Venezuela, donc on ne peut pas rester insensible également aux pays frontaliers à la Colombie. Et la réalité, c'est qu'il y a des familles vénézuéliennes qui sont dans la ville, dans le quartier où travaille notre sœur. Donc, elle a décidé de mettre en place des maraudes et de les soutenir avec l'alimentation, avec les vêtements, enfin tout ce qu'elle pouvait. Et donc, par un projet et enfant, vous participez également à cela. Et donc, notre objectif 2019, c'est bien sûr continuer donc, cette remise à niveau scolaire des enfants, cette remise à niveau de la langue espagnole pour les adultes, et bien sûr, aider toujours ces réfugiés vénézuéliens. On va passer à la dernière structure de notre Amérique latine, c'est le Mexique, la Casa Hogar Niños en Victoria, qui est un centre d'accueil. Donc ce centre d'accueil accueille des adolescents, principalement. Et nous avons 11 enfants parrainés en 2018 et nous avons pu envoyer 2400 euros. Alors l'année dernière, on était à 6 enfants. On a déjà augmenté le nombre d'enfants parrainés. Et la problématique de la structure, c'est que nous avons un problème de communication. Vous savez, lorsque vous nous envoyez l'argent, la structure doit nous faire un rapport mensuel, tous les mois, détaillé, savoir ce qu'ils font avec l'argent. Après plusieurs mois où on n'a pas reçu de rapport mensuel, des relances incessantes, on a décidé, et avec un cœur lourd en fait, d'arrêter d'envoyer l'argent afin qu'ils puissent avoir une réaction. Ça fait depuis le début de l'année, depuis 2-3 mois, que nous avons suspendu les envois. Donc aujourd'hui, nous sommes en attente d'une réaction de leur part pour savoir ce qui se passe. Et bien sûr, notre objectif, c'est de continuer cette partenariat parce que ce sont des enfants qui sont derrière, et ce sont des vies. Nous voulons vraiment reprendre cette communication pour pouvoir lancer des projets avec eux. Notre présence en Afrique. Alors là, il y en a beaucoup plus. Nous avons beaucoup plus de partenaires. Il y a la République démocratique du Congo avec les enfants prodigues, mise en place en 2002. C'est notre première structure dès nos commencements. Avec la suite, la Tunisie, donc à l'université de Sousse. Madagascar, avec la Maison de la Grâce, qui est partenaire chez nous depuis 2014. Le Gabon, avec Ouvriers de Christ, en 2016. Le Ghana, avec Moserly Love Foundation, qui est partenaire avec nous depuis 2016. La Côte d'Ivoire, donc l'ONG Cœur Réformé, qui est partenaire depuis 2017. Et les deux dernières récentes, l'Ouganda, Pillars of Africa, qui est partenaire depuis cette année, 2018, l'année 2018. Et la République centrafricaine, qui est parmi nous depuis quelques mois. Donc on va vous présenter tout le bilan de chaque structure, parce qu'elles sont toutes différentes. Alors, on va commencer par le Congo. Le Congo, c'est notre première structure. Donc, il faut savoir qu'en 2002,
ce n'est pas une structure indépendante, on a vraiment construit l'orphelinat. Aujourd'hui, on est en 2019 et on a fait du chemin. Donc nos enfants qui étaient tout petits sont devenus grands. On va voir par la suite ce qui s'est passé. Mais dans ces structures, la plupart sont adolescents. Donc on est à un niveau collège et lycée. On a justement 12 enfants, ou dirais-je adolescents parrainés, et nous avons envoyé 8 713 euros. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette structure ? Des réunions où les enfants se réunissent, parce que la semaine, ils vont à l'école, mais on tient justement à les voir, à partager leur quotidien avec eux, que ce soit par rapport à leur niveau scolaire, par rapport à leur foi, par rapport à leurs difficultés également, que peut avoir tout jeune de leur âge. Et donc, on les aide, comme au niveau de la scolarité, on échange, on partage. Et bien sûr, tout cet argent, la majorité, en fait, est utilisée pour payer la scolarité, parce que la scolarité est payante. La problématique de cette structure particulièrement, c'est justement, ce sont des adolescents, ils sont au collège et ils sont au lycée, donc il faut penser orientation. Et il y a les envies, il y a les besoins, il y a les structures, enfin, il y a tout ça qui doit matcher pour qu'on puisse avoir une orientation claire et possible surtout. Donc, et la deuxième problématique, c'est les difficultés familiales. Comme c'est un centre d'accueil, ils viennent seulement pour se réunir, mais le quotidien est difficile pour eux. Quotidien, que ce soit alimentaire, mais aussi au niveau de la foi, parce que leur famille n'est pas forcément chrétienne. Et voilà, c'est difficile. Donc ils ont besoin en fait, de se réunir quotidiennement pour pouvoir partager et être renforcés et encouragés. Notre objectif en 2019, justement, c'est de chercher des partenariats, des universités, afin qu'ils puissent amener au bout de leur projet professionnel et qu'ils puissent être pris en charge, donc à travers de bourses ou autres. Voilà. Et d'ailleurs, on va avoir un bel exemple par la suite. Donc là, vous voyez des photos de nos adolescents, de nos jeunes qui se réunissent justement pour partager. Donc on voit qu'ils sont bien grands. Hein. Alors la suite, c'est la Tunisie. Les enfants qui étaient au Congo ont grandi, qui ont une vingtaine d'années, maintenant sont en Tunisie. Ils ont pu avoir la grâce de pouvoir partir et continuer leurs études donc à l'université de Sousse en Tunisie. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième année. Ils arrivent en fin de licence. Licence informatique pour les garçons et licence en sciences économiques pour les filles. Alors, c'est un projet student parce que là, on n'est plus des enfants. Ils sont 5 jeunes adultes et nous avons envoyé 11 630 euros pour 5 jeunes étudiants. Alors, pourquoi ? Tout d'abord, les frais de scolarité, qui sont énormes. Les frais de scolarité, donc 10 980 euros. Et bien sûr, là-bas, il faut de quoi vivre. Donc, il faut payer le loyer, il faut se nourrir, il faut se vêtir et faire face aux besoins ponctuels. Par exemple, si on va à un stage, il faut payer le transport. Là, on va avoir une soutenance, il faut qu'on ait des habits professionnels. Donc, tout ça, c'est le pain quotidien et à travers vous que nous finançons tous leurs besoins sur place. Alors, leur remise de leur diplôme se déroule très bientôt, le 29 juin. L'une d'entre elles aura une soutenance le 10 juin. Donc alors, je vous demande simplement d'avoir une pensée pour elle et pour tous les autres, bien sûr. On a cette date-là, mais voilà, c'est le mois de juin, c'est l'année, c'est l'examen pour tout le monde. Et donc, on vous demande de vraiment soutenir ces jeunes par la prière. Et certains frères ont la grâce de remettre leur diplôme, d'être avec eux, de les accompagner jusqu'au bout. Et 2019 signe également la fin de ce projet student. On les a emmenés après le bac, ils ont une licence. Et donc, nous voulons laisser entre les mains du Seigneur afin qu'ils puissent continuer. Enfin, là, maintenant, ils sont opérationnels pour rentrer dans le marché du travail. Et voici les photos de nos 5 étudiants. Alors, nous passons à une autre structure, l'île de Madagascar. Madagascar, c'est la maison de la grâce, c'est une maison d'accueil dans laquelle nous soutenons 37 enfants parrainés. C'est la totalité des enfants qui sont parrainés. Donc, qui dit centre d'accueil dit enfant qui a un membre de la famille présent et ils viennent dans ce centre pour manger, pour
se dégourdir, s'amuser, parce qu'ils ont une salle où il y a des livres, où il y a des jouets, pour souffler aussi de leur quotidien, et également pour avoir des soins, voilà, pour avoir des soins lorsqu'ils sont malades. Donc cette année, il y a eu 11 100 euros qui ont été envoyés en 2018 dans cette structure, principalement pour le parrainage des enfants, donc soutenir leur quotidien, mais grâce à la bonne gestion et vos dons, on peut faire également d'autres projets. Le premier, c'est les frais de scolarité. La plupart, les écoles privées sont de meilleur niveau, tout simplement. Donc, on a décidé de donner ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Ce n'est pas énorme, parce que 450 euros pour 37 enfants, j'imagine, en France, ce n'est pas du tout les mêmes tarifs pour une école privée. Donc, c'est vraiment un investissement. C'est un investissement. Nous avons essayé également de mettre en place un micro-projet. Vous allez voir ça dans toutes les structures. On essaye non plus d'aider seulement, mais également de mettre en place l'autonomie, une autonomie financière. Alors, ça commence petit, mais il faut bien commencer par quelque chose afin que dans quelques années, on puisse vous montrer peut-être des entreprises, peut-être. Donc, ici à Madagascar, on a fait de l'élevage de poules et de coqs. Donc, si vous vous souvenez, l'année dernière, c'est Mamitiana, Mamitine, exactement, qui, en formation menuiserie, qui a construit ce poulailler lui-même. Et Et l'année dernière, juste avant l'AG, il y a eu un vol. Il y a eu un vol de ces poules. Ils étaient presque à la vente et il y a eu un vol. Donc, beaucoup de personnes se sont mobilisées et je les remercie. Et on a pu récolter 750 euros. Donc là, c'est plus qu'un poulailler qu'on peut faire avec 750 euros. Et donc aujourd'hui, il y a la peste, il y a eu la peste, donc encore des poules sont mortes. Et oui, parce qu'ils ne sont pas professionnels, donc on apprend avec l'expérience, c'est ça, hein, l'expérience du métier. Et des poules sont en train de couver, des poussins vont naître. Donc ça va grandir, mais on a plus grand en fait à Madagascar. Nous avons fait également en 2018 une vente de sorbet et jus. Donc l'idée toujours vient de là-bas. Hein. Les parents qui ne travaillent pas, on a décidé de les intégrer, de pouvoir faire une activité. Donc dans le centre d'accueil, ils faisaient donc des jus, des sorbets et les vendaient à la sortie des écoles. À partir de septembre à la rentrée, les parents n'étaient plus trop motivés. Donc cette activité n'a pas pu perdurer. Mais elle rapportait quand même entre 80 et 90 euros par mois. Ce qui n'est pas négligeable. Alors, la problématique de la structure est la même à peu près comme tous les centres d'accueil, c'est les difficultés familiales. Difficultés familiales qui impactent vraiment le moral. Donc, on peut avoir un enfant qui ne veut plus aller à l'école. Et pourquoi ? Parce qu'il s'est passé quelque chose dans la famille. Et c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'ils sont petits, ils ont tous du potentiel. D'où l'importance de vos prières, vraiment. D'où l'importance de vos prières. Et donc, dans cette maison de la grâce, la maison des enfants, donc les enfants ont des activités créatives, donc on peut le voir, ils dessinent, enfin, tout ce qui est normal, en fait, ici, pour eux, c'est vraiment un bonheur décuplé. Ils font des fêtes, ils s'amusent, ils sortent également, et j'aimerais faire une petite pause là-dessus. Alors là, c'est un couple qui est venu au mois de septembre 2018. Alors, il y a des bénévoles, enfin, des personnes qui sont passées. Si vous partez à Madagascar, n'hésitez pas à venir à passer un petit coucou aux enfants. Il y en a qui l'ont fait l'année dernière et les enfants ont été très encouragés de voir qu'il y a des personnes très, très, très loin qui viennent les voir et qui... Voilà, c'est vraiment un acte d'amour puissant. Et ce couple a décidé, eux, de partir. Ils ne sont pas parents, hein. ils ont décidé de partir, passer 10 jours avec eux. Et ils n'ont pas chômé. Il y avait des choses à faire. et bien sûr, ils ont organisé des sorties avec les enfants. On s'est fait un très bon moment et on remercie vraiment le Seigneur de toucher les cœurs. Et j'espère que vous aurez l'occasion également de partir un jour et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir les adresses de nos structures. Et donc, l'objectif 2019, quand je parle de gros projets, en Madagascar, c'est qu'il est prévu de construire un orphelinat. Au vu de la problématique des difficultés familiales, avec bien sûr l'autorisation parentale, on veut prendre les enfants dans une structure et les encadrer de A à Z. L'école, le quotidien, tout.
afin qu'ils puissent véritablement baigner en Christ du matin jusqu'au soir. Donc, c'est l'objectif 2019. Aujourd'hui, c'est une vision vraiment très grande. On a déjà acheté, le terrain a déjà été acheté. Il y a déjà des plantations qui ont été faites, des récoltes d'haricots. Enfin, voilà. Donc, bien sûr, ce projet, ce n'est pas l'objet de cette Assemblée générale. Donc, on aura l'occasion d'en parler plus précisément par la suite. Mais voilà ce vers quoi tourne cette maison d'accueil. Nous passons au Gabon, avec les ouvriers de Christ, donc un centre d'accueil également, dans lequel nous avons 10 enfants parrainés. Et nous avons envoyé 9 850 euros. Alors pourquoi 9 850 euros ? Pour le parrainage des enfants, tout d'abord, mais également sur place, les frères et sœurs ont mis en place une école chrétienne. Et ils avaient besoin d'être soutenus parce que nos enfants, ils vont à l'école. Donc on veut également qu'il y ait des écoles chrétiennes. Donc voilà, on veut les encourager. Et pour les encourager, nous avons participé et on a payé le loyer de 6 300 euros là, en 2018. Nos enfants bénéficient également de soutien scolaire tous les samedis. Et nous avons également des journées de partage, donc avec les enfants et les tuteurs autour de la Bible, la prière, manger et distribuer tout ce qui leur manque dans le quotidien. Donc voilà, on voit les enfants qui bénéficient du soutien scolaire. Là, on se trouve dans la cour de l'école, donc lors des activités qui sont organisées. Et donc, notre objectif 2019, c'est vraiment d'augmenter le nombre d'enfants parrainés afin que tous nos enfants parrainés aillent dans cette école chrétienne. Voilà. Et également, le deuxième objectif, c'est de construire une cabane. Alors, une cabane, c'est un lieu de stockage dans le jardin que vous avez pu voir parce que les frères et sœurs reçoivent beaucoup de dons alimentaires et vestimentaires et veulent commencer, en fait, une épicerie sociale. Donc, voilà, pour que les familles puissent bénéficier de cela. Donc voilà pour le Gabon. Et nous allons passer à une autre structure qui est le Ghana avec le frère Pierre. Voilà, donc là nous allons parler du Ghana. Moi je suis le frère Pierre, hein, je crois que beaucoup de gens me connaissent quand même. Voilà, nous allons présenter le Ghana. Pour le Ghana, nous avons 27 enfants parrainés et nous avons envoyé en 2018 14 575 euros. Et puis, vous connaissez un peu, je ne sais pas si tout le monde connaît un peu cette structure. C'est une structure où nous avons 27 enfants. Nous avons eu 27 enfants en 2018. Nous aurons 30 en 2019. Tous les enfants et les encadrants sont séropositifs. Si vous connaissez un peu l'histoire, si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit l'année dernière, dans cette structure, c'était une femme, donc c'était une chrétienne, qui était à l'hôpital, atteinte du VIH, avec un enfant, qui avait une voisine qui mourait aussi, qui, comme la voisine avait vu que notre sœur était un peu mieux qu'elle, et dit, bon, je sais que moi, je vais partir avant vous. Si vous pouvez, pendant les quelques jours que vous allez vivre en plus par rapport à moi, vous occuper de ma fille, ça serait une bonne chose pour moi. Elle a accepté. Et cette femme est morte. Et quelques jours après, il y a eu la trithérapie qui est venue dans cet hôpital. Donc, cette sœur a bénéficié de ses soins. Et du coup, elle a gardé cet enfant dans l'hôpital. Et ils en ont entendu parler. Et tous les enfants qui étaient atteints du VIH, vous savez comment ça se passe en Afrique, quand les parents meurent du VIH comme ça, et cet enfant, on le traite de sorcier et tout. Donc, tous les enfants qu'on déposait dans cet hôpital parce que les enfants sont morts, la famille ne veut pas récupérer ses enfants, ben, ils venaient les déposer chez ces couples de pasteurs. Donc, à chaque fois qu'un enfant, une famille ne voulait plus s'occuper de leur enfant malade, ils venaient le matin, ils les déposaient sans nom, sans quoi que ce soit. Ils entendaient seulement un enfant pleurer devant la maison. Ils venaient prendre l'enfant,
Ah ben, ils lui donnaient un nom. Quand ils allaient vérifier, ben, l'enfant était atteint du sida. Donc, c'est pourquoi on s'est retrouvé en 2018 avec 27 enfants, aujourd'hui avec 30 enfants atteints du VIH, avec le couple qui les encadre. Donc, on a eu... l'année dernière, même en 2017, nous avons parlé de la vétusté de leur logement. Ils étaient 21 à l'époque, et puis ils avaient deux chambres. Donc la chambre des parents, et puis la chambre pour les 21 enfants, et puis les salons. Donc c'était très compliqué. Nous avons fait un appel de dons. Donc il y a eu une particularité du Ghana, c'est que les loyers se payent chaque pour 2 ans. Donc nous avons payé 2 ans de loyer. Et puis c'est pourquoi nous avons fait un appel de dons. Il y a eu 4 500 pour ces dons, pour ces loyers. Et puis on a eu, il y a eu un surplus. Donc dans ces surplus, c'était le 2000 euros. Nous avons acheté un terrain pour pouvoir construire un orphelinat. Donc le terrain a été acheté. Et puis nous avons mis voilà les enfants, hein, tous nos enfants de cette structure. Donc aujourd'hui, nous avons un terrain. Nous avons, ils ont quitté leurs deux chambres. Et le propriétaire de là où ils étaient, de leurs deux chambres, il a accepté de leur donner une très grande maison avec cette chambre qui nous a permis, au lieu de prendre 2 ans, on a pris 18 mois. Hein, il a accepté les 18 mois parce qu'il a vu le travail qui a été fait dans cette famille. Donc, et les 18 mois va prendre fin au mois d'août. Donc là, on a décidé, en tout cas avec la grâce du Seigneur, de pouvoir reprendre un bail de 1 à 2 ans et de pouvoir construire carrément cet orphelinat. On s'est dit, on ne pourra pas payer 2 ans de loyer. Il faut carrément qu'on construise cet orphelinat. Donc nous estimons que avec 37 000, donc autour de 40 000 euros, nous pourrons construire cet orphelinat. Donc c'est pourquoi, en tout cas, nous allons voir comment le Seigneur va conduire les choses pour que nous puissions construire cet orphelinat. Donc voilà dans la nouvelle maison qu'ils ont eue depuis 2017. Voilà comment c'était. Donc en 2017, il y a eu cette chambre que vous voyez tout en bas. En 2018, nous avons pris le logement que vous voyez là pour le 21 enfants. Ils sont passés à 30. Et voilà, en 2020, le projet que nous voulons réaliser, la construction de cet orphelinat. Donc voilà, je sais que nous prions un très grand Dieu qui va pouvoir réaliser ces projets avec nous. Amen. Voilà, là, nous allons passer à la structure de Cœur Réformé, qui est un centre d'accueil en Côte d'Ivoire. Alors, dans cette structure, en 2018, nous avons eu 27 enfants parrainés et nous avons envoyé au total 8 205 euros. Et puis, la scolarisation des enfants grâce à l'obtention de leur état civil. Bon, alors, c'est presque dans toutes les structures. Hein. Quand nous commençons une structure, il faut savoir que nous avons des enfants qui sont très faibles, des enfants qui ne sont peut-être pas scolarisés. Donc, ils ont déjà des retards. Hein. Donc, on démarre les parrainages avec des enfants qui ont déjà des retards scolaires. Donc là, ils n'avaient même pas d'état civil. Vous vous rappelez, en 2016, on avait un enfant qu'on avait pris en parrainage qui n'avait, tous les parents de ces villages le voyaient passer l'enfant, qui n'avait jamais mis une tenue, il n'avait jamais mis de chemise. Il était tout le temps torse nu dans la ville et tout le monde le connaissait. Alors, vous voyez, quand on prend les enfants en stage, là, ils ont 8, 9 ans, vous l'habillez, vous l'envoyez à l'école, il faut d'abord les cours de soutien scolaire pour pouvoir les remettre à niveau. Donc ça, c'est les problèmes qu'on a dans toutes les structures. Vous verrez que nous avons les enfants à 18 ans, mais ils ne peuvent pas avoir leur bac. Mais parce qu'ils ont commencé déjà avec un retard et qui fait qu'au bout, si on le laisse comme ça, très souvent, ils ne peuvent pas avoir vraiment un boulot solide. Donc ce qu'on fait, c'est que nous commençons à voir un peu comment travailler sur la suite, comment les envoyer dans des formations professionnelles pour qu'ils puissent trouver du travail par la suite.
Et là, dans cette structure, donc, nous scolarisons les enfants, les 27 enfants, pardon. Et puis, comme vous avez vu ça tout à l'heure à Madagascar, nous avons mis en place aussi un élevage de poulets. C'était un micro-projet que nous avons mis ensemble avec les frères et sœurs qui sont sur place. Nous avons commencé par 500 poussins dans cet élevage. Et avec le travail, ils ont réussi à atteindre 1000 poussins. C'est les élevages des poules de chair. Donc, ça leur permet de vendre ces poules. Et ils ont eu des bénéfices l'année dernière. Et avec ces bénéfices, ils ont acheté des matelas et puis avec des moustiquaires imprégnés. Et ils ont continué. Comme avec le Madagascar, donc ce n'est pas des professionnels. Donc, quand c'est du beau temps, ils maîtrisent un peu, ça se passe bien. Et puis, quand il fait un peu froid, il y a une maladie, ils ne maîtrisent pas. Donc, ils se retrouvent avec 200, 300 poules qui meurent. Donc, c'est très compliqué par rapport au budget. Donc, ils continuent là. Ils sont passés à 1000 poussins. Donc, là, vous avez vu par rapport à vos dons de l'année dernière qu'ils ont eu des chaussures, ils ont eu des cartables, ils ont eu des fournitures scolaires. Comme dans tous ces pays, comme vous avez vu, il y a toujours des uniformes pour les filles, des uniformes pour les garçons. Et les problèmes dans cette structure, voilà les poules de chair que nos frères et sœurs élèvent. Donc là, on est passé à 1000 poussins. Bon, nous espérons que nous allons encore aller plus loin pour pouvoir grandir l'élevage et changer les poules. Hein, parce que là, c'est les poules de chair. Nous verrons si on peut prendre d'autres catégories des poules qui ça prend un peu plus de temps, mais ils peuvent pondre eux-mêmes et puis faire des poussins. Les problèmes que nous avons dans ces poulaillers, dans cette structure, pardon, c'est les lieux de vie des enfants. Alors, Cœur Réformé est dans un petit village qui s'appelle Vitré. Et dans ces petits villages, c'est vraiment un petit village où les hommes et les femmes qui vivent là-bas, ils vivent dans un... c'est comme dans un campement. Et dans ces campements, l'état où les familles vivent, c'est d'une insalubrité que vous ne pouvez pas supporter. Donc, nous sommes en train de voir comment améliorer les conditions de vie de ces enfants. Donc, c'est ça l'objectif un peu par rapport à cette année, de pouvoir augmenter, de soutenir les projets qu'ils ont, hein, les projets d'élevage et autres, et puis de pouvoir soutenir ces enfants par rapport à des soutiens que nous avons ici en France, nous leur envoyer des soutiens pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. C'est pourquoi vous avez vu que quand ils ont vendu la deuxième phase des poulets, ils ont acheté des matelas pour les enfants, parce qu'on s'est rendu compte que comment les enfants ils viennent et qu'ils sont malades quand ils viennent dans la structure. Ben, on s'est rendu compte que les enfants ils dormaient par terre. Quand ils rentraient dans leur famille, ils dormaient par terre. Donc ils étaient malades et tout l'argent passait dans les médicaments. On a dit bon, ils ont acheté des matelas pour que les enfants dorment dans des matelas chez eux. Et on a acheté des moustiquaires imprégnés pour pouvoir diminuer ces cas de maladies qui revenaient souvent et tout. On a vu l'amélioration par rapport à ces dons qui ont été faits. Voilà les matelas, quand on avait fait des distributions des matelas et puis des moustiquaires imprégnés. Voilà, là nous avons un frère qui est parti en mission, donc en voyage en Côte d'Ivoire. Le frère, il n'était pas parrain. Il est parti, il a passé quelques jours avec ses enfants là-bas. Et au bout de son séjour, quand il est revenu, ben, il a eu à cœur lui aussi de parrainer parce qu'il a vu le travail qu'il fait sur place. Et lui, je crois qu'il parraine un enfant au Centrafrique. Voilà. Donc, quand les gens partent, les frères ou bien les gens qui aiment les seigneurs qui vont dans certains pays,
Ils demandent l'adresse des structures pour aller voir les travaux sur place. Et ils contribuent hein, par rapport à leur présence là-bas pour faire le travail. Alors là, c'est une nouvelle structure que nous avons commencé en Ouganda, Pillar of Africa, cette tente d'orphelinat. Dans cette structure, nous parrainons aujourd'hui, nous avons parrainé en 2018, 17 enfants et nous avons envoyé 3 790 euros. Et parmi les premières actions que nous avons faites avant de commencer les parrainages enfants, ils avaient un lieu de culte, donc ils avaient leur orphelinat. Et puis dans leur lieu de culte, il n'y avait pas de toit. Donc quand ils étaient en prière, un jour, ils étaient en prière, ils prenaient des photos, et c'était comme là. Et puis il y a eu la pluie, et puis ils étaient en train de prier, et puis ils étaient sous la pluie. Et nous avons vu ça sur les photos, et puis on nous a dit, mais combien ça coûte pour réparer votre lieu de prière? Et bien, 250 euros. On a envoyé 250 euros, ça a permis à ce que, ben, qu'ils puissent être sous des tôles. Hein. Ils ont mis un toit par l'endroit où ils faisaient leur culte. Et puis, nous avons eu à rénover aussi la structure en posant des tapis, des sols en béton, des ravalements de façade pour 300 euros et la construction d'un puits. Donc ça, c'est des réalisations qu'on avait faites avec l'argent de vos dons. Et puis là, les enfants nous ont montré que c'est tellement beau les parterres aujourd'hui qu'on peut même dormir par terre. Et puis là, nous voyons le travail qui a été fait. Vous voyez l'allée là, comment ça a été refait avant et après. Voilà. Voilà les dons que nous avons envoyés dans cette structure. Et nous avons réalisé quelque chose. Ils avaient, pardon, dans cette structure, ils avaient une espèce de je sais pas comment on appelle ça, tonneau, puis une citerne comme ça, où ils allaient prendre de l'eau et puis qui remplissaient dans cette citerne. Et puis c'est à travers la citerne qu'eux, ils prenaient de l'eau pour eux. Et puis ils nous ont envoyé le projet pour nous dire que ça sera une bonne chose si on faisait un puits. On a demandé la valeur de ces puits pour avoir de l'eau potable. C'était 1 800 euros à travers le don de par un projet. Voilà, nous avons réalisé ces puits. Au point où, parmi les témoignages qui nous arrivent en ce moment, c'est que les enfants, vous voyez, donc maintenant, ils ont un puits où ils peuvent avoir de l'eau potable. Donc maintenant, toutes les activités se passent autour du puits, tellement que c'est beau d'avoir de l'eau potable qui ne sont plus obligés de faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau pour pouvoir alimenter leur citerne. Donc ça, c'est des projets. Et à travers ça, nous avons décidé de continuer le parrainage avec eux. Donc, du coup, en 2017, nous avons parrainé 17 enfants dans cette structure. C'est une belle œuvre que le Seigneur est en train de faire dans cette structure. Donc, l'objectif pour 2019, ben, ça sera d'augmenter le nombre d'enfants parrainés hein, pour soutenir ça permettra de soutenir d'autres projets sur place. Vous savez, quand on rentre dans une structure comme ça, ils nous viennent avec beaucoup de projets. Et quand on prend des enfants, ça permet d'envoyer les enfants à l'école, de les soutenir sur le plan, quand ils sont malades et tout, sur le plan alimentaire, et ça permet de soutenir certains projets sur place. C'est pourquoi nous insistons sur le fait qu'ils nous envoient les rapports pour qu'on sache exactement ce qu'ils font avec l'argent. Et une nouvelle structure que nous avons maintenant en République centrafricaine, la voix de celui qui crie dans les déserts. C'est un centre d'accueil. C'est lors d'une mission de frères et sœurs dans ces pays, ils ont été touchés pour voir la situation de ces pays. C'est un pays un peu où, en 2013, il y a eu beaucoup de combats, des hommes et des femmes, il y a eu des massacres entre plusieurs communautés et tout. Donc, où on nous dit que le taux de pauvreté est à près de 63% dans ces pays. Donc, beaucoup de familles se sont retrouvées décimées, exilées, endeuillées, avec un nombre de veuves et de veufs orphelins qui n'a cessé d'augmenter.
Nous sommes dans ces pays depuis l'année dernière. Donc là, nous avons pris dans cette structure la scolarisation de 30 orphelins. C'était pour la première fois qu'ils allaient à l'école. Donc vous voyez, c'est toujours le même problème. Quand nous arrivons dans un pays, vous pouvez prendre un enfant qui a 10 ans, mais qui ne commence qu'à l'école à 10 ans. Donc il faut les temps de mise à jour, donc de le remettre à niveau pour qu'il puisse continuer sa scolarité. Donc là, les conséquences, nous les verrons plus tard par rapport à... Est-ce que certains qui sont très bons, ils peuvent aller jusqu'à avoir leur bac, les autres, nous sommes obligés de voir, c'est pourquoi on est en train de on réfléchit de plus en plus la manière dont on va rediriger la professionnalisation de ces enfants qui ne pourront pas forcément avoir le bac. Vous voyez les cursus classiques, il faut avoir le bac pour aller à l'université, pour aller... Donc vous avez vu l'exemple du Madagascar, où on a eu des enfants qui ont fait la mécanique, qui ont fait la menuiserie. Donc nous avons des enfants, c'est lui qui nous a montré par exemple le poulailler qu'il a fait à Madagascar, permet aujourd'hui, nous savons qu'il va pouvoir faire des meubles, aujourd'hui il est capable de faire des meubles, de faire des fauteuils et tout. Donc on est dans des projets avec ces enfants. Oui, tu vas passer ton permis, on va t'envoyer l'argent pour que tu passes ton permis, pour que tu puisses travailler. Voilà, donc on les amène jusqu'à la professionnalisation et voilà. Donc ça, c'est des problèmes. Quand nous commençons avec 30 enfants qui commencent, l'école comme ça, mais ils commencent très tard en fait. Mais nous croyons quand même que Dieu est capable de les amener à bon port par rapport au projet qu'il a dans leur vie. Donc l'année dernière, nous avons envoyé 400 euros. Parce que nous avons commencé, je crois, en fin d'année. C'était novembre-décembre de l'année dernière. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de parrainer 30 enfants. Donc nous avons commencé déjà à prendre les enfants en parrainage dans ces pays. Voilà. Donc à travers les dons que nous envoyons, ils ont des kits qu'ils distribuent aux enfants, des kits scolaires. Des kits qui distribuent aussi aux veuves à travers les dons que vous nous faites parvenir. Voilà, donc c'est une structure qui a commencé. Donc la structure a beaucoup plus d'enfants, mais nous avons pris en charge 30 orphelins dans cette structure, orphelins et démunis que nous prenons dans certaines structures comme ça et tout. Donc ces enfants ont commencé l'école et nous croyons que, bon, il y a beaucoup, voire tous, vont finir leurs études dans cette structure. Et là, nous passons dans l'Asie. Donc, dans l'Asie, nous avons, aux Philippines, nous avons commencé en l'année dernière, Concordia Children's Service, partenaire depuis 2018. Dans cette structure, nous avons commencé un parrainage projet avec cette structure. Comme on fait d'habitude, quand on commence comme ça, on veut voir le sérieux des structures et tout. On leur envoie l'argent, on attend les retours, on regarde ce qu'ils font avec l'argent qu'on leur envoie. Donc, au départ, l'année 2018, quand on a fini le parrainage projet, on a commencé avec le parrainage enfant. Donc, c'est un pays, les Philippines, c'est les îles, c'est plusieurs îles où il y a une population de près de 103 millions d'habitants. Donc, c'est plusieurs îles et il y a beaucoup, 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 beaucoup de pauvreté dans ces pays. Vous vous rappelez, il y avait un frère qui était parti en mission là-bas et qui avait vu les gens en train de se servir dans les poubelles, de reprendre la nourriture dans les poubelles, de les relaver et puis de les répréparer pour pouvoir manger. Et qu'il a été touché. Et derrière, nous avons eu à cœur vraiment de répartir dans ces pays. Donc là, aujourd'hui, nous avons 15 enfants parrainés. Nous avons envoyé 2064 euros en 2018. Donc l'objectif toujours. Donc nous avons réalisé quelque chose. Donc nous avons suivi des projets. Nous avons fait des rénovations des toilettes, comme vous avez vu inscrit. Voilà les enfants, nos bouts de choux. Regardez comment ils sont beaux.
Et nous avons fait la rénovation des toilettes, voilà, avant et après, c'est le travail qui a été réalisé dans ces pays, dans cette structure. Voilà, donc nous allons, par la grâce du Seigneur, essayer d'augmenter le nombre d'enfants à parrainer. On va essayer d'aller jusqu'à 30. On met l'objectif de 30 enfants. C'est très, très lourd hein, de gérer une structure à distance. C'est très, très lourd. 30 enfants à gérer, savoir la personne qui est le correspondant ici doit savoir comment les enfants individuellement évoluent à l'école, les suivis des enfants et tout. Et c'est très lourd quand on vous envoie, c'est une personne hein, qui fait pour les 30 enfants. Il a besoin d'avoir leurs photos, regarder comment ils grandissent et vous l'envoyez, avoir des mots. Mais c'est sur 30 enfants. Des fois, ils envoient 10, 15, 18. On attend, oui, l'enfant n'est pas venu dans la structure. Il faut attendre. Et quand vous attendez, hein, vous envoyez des fois des lettres. Et s'il y a un couac ici et que les lettres n'arrivent pas, nous, on vous envoie, par exemple, une lettre quand on fait les renouvellements. On peut vous l'envoyer, par exemple, au mois d'octobre. Et que si ça n'arrive pas, ça nous revient. Quand vous changez des adresses, vous ne nous envoyez pas vos adresses, c'est une catastrophe. Parce qu'on vous envoie les reçus fiscales, les reçus fiscaux, on vous envoie les photos de l'enfant, ça revient. Donc nous, on croit que vous êtes au courant. Et c'est très, 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 très compliqué. Des fois, on fait des demandes de l'autre côté, chez eux aussi, ça n'arrive pas. Donc il suffit que dans une structure, tu aies 5, 6, 7 enfants où vous n'avez pas exactement les éléments pour pouvoir communiquer à leurs parrains, la machine, ça s'agrippe. Donc, c'est terrible pour nous. C'est compliqué. C'est pourquoi, des fois, il y a des problèmes de communication. Il suffit d'une case qu'on n'a pas cochée pour vous envoyer un courrier. On vous oublie. Et quand on va commencer à faire le récap, on se rend compte que telle marraine, mais comment ça? On n'a pas des traces, des courriers qu'on lui a envoyé ou bien de sa réponse depuis 7-8 mois. Mais qu'est-ce qui se passe? On vous écrit parce qu'on ne veut pas forcément vous appeler et tout. On vous écrit. Si vous ne répondez pas avec un petit mot et tout, c'est compliqué. Donc, nous avons vraiment besoin, des fois, de vos réponses. Et nous avons besoin, même si vous ne pouvez pas venir dans ce genre de programme, mais vous nous dites simplement que vous ne pouvez pas venir. Nous avons besoin de rendre des comptes par rapport à ce qui se passe dans toutes les structures et de vous rendre compte par rapport à l'argent que vous envoyez. Vous avez vu les cas du Mexique. C'est très dur hein, de dire qu'on n'envoie plus l'argent. Mais on ne peut pas faire autrement. Parce qu'il n'y a pas que des chrétiens qui soutiennent les enfants. Donc parmi les parrains que vous êtes, il y a d'autres qui ne sont pas chrétiens. Ils sont simplement touchés par ce qui se fait. Ils donnent l'argent. Donc derrière, nous avons l'exigence de rendre des comptes comme à tout citoyen qui a donné son argent. C'est très, très dur pour nous d'arrêter. Parce que là, du coup, on est dans une situation où on se pose la question, est-ce qu'on continue le partenariat ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a vraiment besoin, des fois, d'être assez ferme parce que nous avons des comptes à rendre à des parrains qui ont donné leur argent. Il faut à tout prix qu'on leur donne des nouvelles de l'argent qu'ils donnent. Voilà. Voilà par rapport aux activités, donc à tout ce qui a été fait en 2018 par rapport à nos structures. Donc maintenant, nous allons passer à nos activités en France. Je vous passe à Elmod qui va vous parler des activités en France. Bonjour à tous. Voilà, vous avez vu que le pain quotidien, on a des champs d'action sur l'international. Et c'est vrai que jusqu'en 2016 ou 2017, on était sur l'international, mais on n'était pas sur la France, qui est le pays en fait, où on vit. Et du coup, on a voulu mettre en place des actions pour les enfants, pour vos enfants, pour nos enfants, aussi ici. Le but justement de ces rencontres, en fait, c'est que les enfants en fait, puissent s'épanouir entre eux, qu'ils puissent se rencontrer en fait, entre eux, créer des liens entre eux,
Parce que bah, les enfants, ils grandissent aussi. Hein. Ils grandissent. Il y en a qui grandissent. Enfin, ils grandissent dans les familles. Il y en a qui vont à l'école, d'autres non. Mais souvent, en fait, ils comprennent pas ce qui se passe à l'école, qu'on leur dit de ne pas écouter ce genre de musique ou quoi. Donc, en fait, c'est vraiment des temps qu'on passe avec les enfants, en fait, pour pouvoir. Je sais que, enfin, les parents font déjà ce travail à la maison, mais lorsqu'ils voient qu'il y a d'autres enfants aussi chrétiens qui partagent en fait ces mêmes épreuves avec eux, bah finalement ça les encourage, parce que quand on fait des retours, des réunions qu'on fait avec les adolescents ou les plus petits, bah c'est ce qui en ressort le plus en fait. Et aussi un des objectifs en fait des activités en France, c'est aussi de partager sur des thèmes bibliques. Donc je vais vous présenter juste les activités qui ont été faites en 2018. On a mis en place deux activités. Donc une des premières activités, c'était en février 2018. On a pu mettre en place avec l'équipe une séance audiovisuelle sur un film qui s'appelle Fasting the Giant. Et ensuite, on a fait un débat sur la persévérance, l'obéissance et la foi. Donc les enfants, comment on s'organise lors de ces réunions, soit par âge, soit par thème, en fait, on fait des groupes de travail, on partage sur des versets bibliques, et il y en a un des enfants qui font partie du groupe de travail qui vient présenter le travail qui a été fait lors du partage. Donc ça, c'était une des premières activités qui a été faite en 2018. Et la deuxième activité, c'était en octobre. Donc là, ça s'adressait plus aux parents. Donc on a voulu sensibiliser en fait aussi la responsabilité des parents face à l'éducation des enfants. Donc ça a été fait sous forme d'émission. Voilà pour ce qui a été fait en 2018. Et là, donc, du coup, en 2019, on a déjà commencé des projets. Et là, un des deuxièmes projets à venir, ce serait d'organiser en fait plusieurs rencontres avec les enfants entre mi-juin et mi-octobre pour pouvoir les premières vacances scolaires là en 2019. Donc, ce sera les vacances de Toussaint, de pouvoir organiser un spectacle avec les enfants de ce qu'on aura fait lorsqu'on se serait rencontrés. Avant. Donc c'est vrai que les enfants, ils sont beaucoup encouragés par ce qu'on essaye de faire en France par rapport aux activités, mais que du coup ça prend beaucoup de temps et que on peut en 2017 et en 2018, du coup il y a deux activités, et en 2019 aussi, deux activités qui ont été organisées. Donc ce qu'on va essayer pour 2020, c'est de faire d'organiser une rencontre par trimestre. Donc voilà pour les activités en France. Maintenant, en fait, il y a le bilan financier qui va vous être présenté par notre comptable. Alors, nous y sommes pour le point financier. Alors une fois de plus, au nom du pain quotidien, au nom des enfants, au nom des référents, on vous dit vraiment merci. Merci pour le soutien financier, merci pour vos prières, merci pour vos petits mots. Ça n'a parfois l'air de rien, mais quand on voit ce qui se passe, que le Seigneur fait dans la vie des enfants, comment est-ce qu'il les préserve, on se dit que c'est vraiment important. Rien que vos petits mots, les petits messages que vous nous envoyez, ça encourage énormément. Et vos prières, on se rend compte en fait de l'importance de la prière sur le terrain. En 2018, je ne sais pas si on l'a mentionné, on a été touché par un deuil au Ghana. Il y a l'un des enfants qui est décédé et ça nous a vraiment affectés. Vraiment affecté les enfants aussi, mais le Seigneur a été fidèle, nous a soutenus, réconfortés, et on continue encore la route. Donc en 2018, grâce à vous, par la grâce du Seigneur, en fait, on a pu avoir trois nouveaux partenariats, qu'on vous les a présentés tout à l'heure, en Philippines, en Ouganda et en République centrafricaine. On a eu au total 13 structures accompagnées, 208 parrains engagés et 172 donateurs qui ont été à nos côtés. Donc on a pu ensemble prendre en charge 205 enfants. 205 enfants, quand on vous dit 205 enfants, c'est juste les enfants parrainés que nous on a enregistrés. Mais derrière tout ça, il y a
des enfants dans les structures. Sur, par exemple, 30 enfants ou 300 enfants dans une école, on n'en parraine que 15. Mais donc, les 25 euros que vous envoyez, ce n'était pas pour un seul enfant, mais c'est pour bien plus. Donc, on s'est limité juste à décompter les enfants qu'on soutient effectivement. Mais derrière, je crois qu'on atteint bientôt 500 enfants, ou voire 750, si on doit tout compter, et compter le nombre d'enfants dans les structures, on n'est pas loin des 700, 750 enfants. Donc, au nom du pain quotidien, un grand merci à tous. Donc, en 2018, on a pu récolter 117 830 euros. Quand je vois ce chiffre, je souris parce que quand j'ai rejoint le pain quotidien en 2012, on avait 30 000 euros, je crois, Barbara. C'était 30 000 euros, nous, en recettes. Et quand je vois ça, je dis, Seigneur, merci parce qu'on a fait du chemin avec vous. Donc, au titre des dons, on a récolté 59 927. Donc, les dons, c'est les donateurs qui nous font des dons ponctuels. Il y a des donateurs qui sont fidèles, qui sont récurrents, des dons qui sont récurrents, qui viennent tous les mois. Donc, on a pu récolter 59 927. Donc, on a vu qu'il y avait, que c'était en hausse de 4% par rapport à 2017. Et au titre du parrainage, c'est-à-dire les parrains qui s'engagent à donner régulièrement, en fait, on a récolté aussi 59 927. Donc, c'est la première année qu'on a 50% autant de dons que dons au titre du parrainage. D'habitude, les dons étaient souvent supérieurs au parrainage parce que c'était les dons qui permettaient de couvrir pas mal de projets. Donc, au titre du parrainage enfant, on a récolté 41 000 euros environ. Du parrainage projet, 8 190 €. Parrainage enfant et projet, 10 000 €. Et donc, on a remarqué que le parrainage était en hausse de 15% par rapport à 2017. Donc, on est vraiment content. Merci, Seigneur. Et donc, tous ces dons que vous nous faites, en fait, nous aident à mettre en place nos actions, comme vous l'avez vu ici, qui sont centrées sur le soutien alimentaire, l'éducation, la santé, accompagner, comme vous l'avez vu, les structures dans leurs micro-projets, aussi mettre en place des temps de partage avec les enfants. En dépense, donc on a beaucoup dépensé cette année, 130 000 euros. Au titre des 130 000 euros, on a décompté 107 000 euros au titre de nos missions sociales, comme je vous l'ai énuméré, et au titre du parrainage, environ 92 000 euros. Donc ça, c'est vraiment les dépenses au titre du parrainage enfant-projet, parce que dedans, en fait, on a dû séparer les dépenses qu'on a affectées vraiment au titre du parrainage et les dépenses qu'on a dû affecter, qu'on a dû faire au titre des projets ponctuels qui ont été réalisés. Donc, les projets réalisés, c'est ceux dont on vous a parlé tout à l'heure. Les étudiants en Tunisie, sachant que les étudiants en Tunisie, vu qu'ils sont majeurs aujourd'hui, ils sont plus parrainés. Donc, ça, c'est vraiment les dons qui permettent de couvrir ça. Et donc, on a aussi le loyer de l'école du Gabon, comme on l'a dit tout à l'heure, 6 300 €, la Colombie. C'était pas du parrainage, c'était vraiment des dons qui ont permis de couvrir. Ça me permet aussi de faire un petit zoom parce que parfois, on nous envoie parfois des mails nous demandant, oui, on veut faire un don pour telle structure, on veut faire un don de 1 000 €, de 500 €, on veut que ça aille à la structure de Madagascar. On a du mal, du coup, à prendre cet engagement de vous dire oui, on va envoyer la totalité de cette somme à Madagascar, sachant qu'à côté, pendant que Madagascar n'a pas vraiment de besoin, on a une structure où il y a vraiment du besoin. Donc, notre réponse est de dire, ce qui est sûr, les 500 euros seront affectés aux enfants, mais ça permettra aussi de soutenir les projets de Madagascar ou les projets de Madagascar seront soutenus par d'autres dons qui viendront à point nommé. Donc, c'est vraiment ça. On tient à le rappeler. Les dons que vous nous faites sont vraiment affectés aux structures. Et peu importe que ce soit pas la structure comme que vous le demandez, c'est vraiment un enfant dans le monde qui en bénéficie. Donc, on a effectué aussi quelques missions au sein des structures. On est allé voir remettre un peu d'ordre en Tunisie. Ça nous a coûté 800 euros. Au Cameroun, on a soutenu une mission là-bas. Aussi en République centrafricaine, où on est allé. Et aussi au Congo. On a mené d'autres actions sociales aussi parce qu'il nous arrive, comme on l'a toujours fait depuis la création du pain quotidien, c'est de soutenir des projets ponctuels sans qu'il y ait vraiment de partenariat avec les structures. Donc on a soutenu deux associations partenaires donc, qui sont nées, dont une est née du pain quotidien, La Voix des Sans-Voix. On a soutenu dans les actions menées auprès des sans-abri et dans les prisons et les hôpitaux. Donc ça nous a coûté 3 000 euros. On a soutenu aussi en 2018 l'édition de la Bible, parce que quand même le pain quotidien vient d'une vision, et donc on essaie aussi de soutenir ce que le Seigneur nous a mis à cœur. On a apporté divers soutiens aussi en France et en Belgique, au sein d'associations diverses qui œuvrent un peu partout aussi dans le monde. Ça nous a coûté environ 1 600 euros.
et aussi divers soutiens en Afrique. On a parfois des personnes qui nous contactent pour des actions qu'ils mènent sur le terrain. Donc ça, on a pu apporter notre aide et ça nous a coûté 4 205 €. Donc cette année, en fait, les dépenses ont vraiment augmenté. Hein. L'année dernière, on était à 113 000 € et cette année, on est passé à 130 000 €. Mais on a essayé de comprendre le pourquoi. Par la suite, donc sur les 130 000 € de dépenses, on avait 107 000 € au titre des missions sociales. Et donc nos frais de fonctionnement nous ont coûté 23 000 €. L'objectif, si vous vous rappelez, en 2017, on vous avait dit que l'objectif c'était de réduire quand même les frais de fonctionnement. On n'a pas pu y arriver, donc ils sont restés constants. C'était 19% l'année dernière et 19% cette année. Donc je crois que l'équipe est là, qu'elle m'écoute. Nadège, je serai encore regardante cette année. On va essayer de faire encore des efforts, réduire vraiment les dépenses de fonctionnement. Mais les dépenses de fonctionnement, en fait, elles portent généralement sur les différentes charges auxquelles on est amené à régler, comme les charges de copropriété, les locaux qui nous appartiennent. Donc, on est obligé de payer les charges de copropriété. Donc, les frais sur les envois, parce qu'on fait nos envois maintenant, on fait nos envois comme d'habitude, via Western Union. Donc, plus il y a de structures partenaires, plus il y a de frais d'envoi qui augmentent. Donc, les frais sur envoi, en fait, ont vraiment augmenté, ont quasiment doublé cette année. Nous ont coûté 2 800 €. On a aussi les impôts locaux. Et aussi, donc ça c'est pas une, c'est les dotations, ça c'est vraiment une charge comptable liée aux locaux. Donc c'était vraiment ça, les charges de copropriété, aussi nos fournitures administratives. Parce que chaque année on fait les renouvellements de parrainage, on vous transmet les cartes, on est obligé de faire des tracts, des tracts et puis des dépliants pour communiquer aussi. C'est ça aussi un coût derrière. Voilà. Et donc le résultat de cette année, on est encore déficitaire de 12 000 €, mais on a essayé de comprendre le pourquoi. C'était vraiment lié au projet qu'on a mené cette année qui n'était pas couvert par un parrainage, en fait. On s'est engagé à prendre en charge le loyer de l'école du Gabon, donc c'était une dépense récurrente qui a duré 9 mois, c'était ça, hein, ouais, 9 mois, 700 € par mois, et c'était pas couvert par un parrainage. Donc ça, c'est vraiment les dons qui ont permis de couvrir ça. On a aussi la scolarité des étudiants en Tunisie, ça nous revient annuellement environ à 12 000 €. Mais cette année, l'année dernière, en 2018, par la grâce du Seigneur, on avait des donateurs qui avaient vraiment à cœur les étudiants et qui ont pu couvrir au travers de leurs dons 50% de la scolarité. Et la structure du Congo, en fait, dépend complètement de nous. Donc, peu importe qu'il y ait du parrainage ou pas, on est obligé, en fait, de pourvoir aux besoins des enfants. Donc ça nous a coûté 3 900 €. Ça nous a coûté 8 700 € au titre de l'année 2018. En fait, on a essayé de réfléchir à comment réduire, améliorer un peu notre résultat pour les années à venir. Déjà, vu que l'année prochaine, cette année, c'est la dernière année d'études des étudiants, on n'aura plus à couvrir, on n'aura plus à payer cette scolarité de 11 000 €. Le parrainage de l'aide au Gabon, au loyer du Gabon aussi, s'est arrêté en septembre 2018. Donc, c'est une dépense qui n'apparaîtra plus en 2019. Et donc on essaie de travailler sur ça. Certaines dépenses, on a essayé de réfléchir que chaque projet soit vraiment porté par un soutien financier. Donc pourquoi, comment avoir du soutien financier, c'est vraiment la question aujourd'hui. Comment faire pour avoir des entrées pour nous permettre de mettre en place nos projets, c'est de mieux communiquer. Parce qu'être transparent, on est transparent, on communique, mais communiquer davantage, essayer de toucher aussi. On va essayer de le faire, de voir aussi, parce qu'il y a les entreprises qui sont intéressées par nos projets. Qui sont intéressés par la mise en place, tout ce qui est secteur éducatif, il y a des entreprises qui sont portées par ça et qui aimeraient aussi accompagner des associations. Donc on se demande, est-ce qu'il ne faut pas aller toquer aussi à la porte de certaines entreprises pour ce genre de projet. Donc c'est un peu ça, et aussi travailler à réduire nos dépenses. Donc voilà, au titre de 2018 encore, merci d'avoir été fidèles, merci pour vos prières, merci d'avoir été là avec nous, la marche continue. Le combat continue, on ne va rien lâcher au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Je crois que la suite, c'est la vidéo. Non, ce n'était pas ça. La suite, c'est le temps de questions-réponses. Voilà, on vous donne la parole, vous avez des propositions, il y a des choses que vous ne comprenez pas. L'équipe du Pain Quotidien, pas que moi, est là pour vous répondre. Merci beaucoup.
Oui, j'aimerais savoir pour les personnes qui sont parties à l'étranger enseigner, faire de la remise à niveau scolaire pour les enfants. Est-ce qu'elles avaient besoin d'un diplôme ou quelque chose comme ça? Des personnes qui sont parties enseigner, vous parlez de la Colombie par exemple? Oui, voilà par exemple. Je crois qu'elle est colombienne de base. Elle est enseignante aussi de formation. Donc elle a vraiment abandonné son emploi pour se mettre à fond dans ce projet-là. Donc c'était, je crois, déjà une activité qu'elle menait, elle était enseignante. Et elle a continué justement avec ce projet. Et en Afrique aussi, du coup? Mais normalement, vous n'avez pas besoin de formation au titre des VIE, je crois. Vous pouvez aussi aller. Ok, parce que j'ai à cœur d'enseigner aussi. J'aimerais bien aller en Afrique, etc. Oui, et c'est du bien. Coup, je passe un diplôme pour ça en ce moment. C'est bien. Et du coup, je me dis peut-être qu'il y a besoin de choses supplémentaires. Mais si vous me dites que non, je sois bénie. Je ne crois pas. Ça dépend des pays. Hein. Pays comme le Gabon, c'est un pays qui est très, très strict par rapport à ces genres de choses. Mais il y a des pays où vous êtes la bienvenue parce qu'il suffit juste qu'on mette en place ces projets et puis voir comment vous intégrer dans une activité ou bien dans une structure. D'accord. Oui. Ok, merci Yusobé. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est comment est attribué un enfant à un parrain et une marraine? Parce que quand on me dit, par exemple, en Philippines, il y a 300 enfants et une trentaine sont parrainés, comment on les sélectionne? Ça ah, comment bizarre. Nous, on nous sélectionnons? Oui, ça alors, me paraît bizarre. Très, très bonne question. Voilà, donc nous sommes en relation avec une structure. Nous leur demandons l'histoire des enfants. Ils nous envoient l'histoire des enfants. Chaque enfant, on voit les enfants qui rentrent dans les cadres de nos parrainages. Les enfants, et puis nous essayons de prendre les 30 premiers. Et nous savons que c'est toujours difficile, hein, parce qu'on a eu des cas, on vous a parlé des cas des enfants qui sont morts. On a eu encore en 2019. Donc on se retrouve dans une famille, il y a un enfant qui est mort, et puis la maman avait un enfant tout petit. Donc, même si vous avez dit que vous allez vous arrêter à 30, et il y a le petit frère de l'autre qui est décédé, comment vous faites? Parce que vous savez que la famille s'est fragilisée encore. Donc, vous prenez les enfants de cette famille. Donc, vous voyez, il y a des cas comme ça. On donne un cadre comme ça. Alors, comment on choisit? Les responsables des structures là-bas nous donnent les histoires des enfants. Et puis, à travers ces enfants, nous regardons les histoires qui rentrent dans qui sont vraiment démunis ou bien orphelins. Parce qu'au départ, on ne prenait que des orphelins. C'était difficile, ça aussi. On s'est retrouvé des orphelins, mais tonton ou bien le grand-père s'occupe de l'enfant. Mais il y a d'autres dans le village qui a son père et sa mère, mais il est dans une situation beaucoup plus catastrophique que celui qui n'a pas ses parents. Voilà. Donc, du coup, on a dit, bon, ça sera comme la Bible nous le dit, le veuve, les orphelins. Donc, et dans les orphelins, il y avait les démunis, il y avait les plus fragiles, voilà, comme les étrangers. Hein. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est les responsables des structures qui nous envoient les histoires que nous vous envoyons. Hein. Quand vous parrainez un enfant, c'est ça l'histoire. La deuxième question, donc c'est surtout par rapport à la France. Les Arabes, on leur école. Les Juifs, on leur école. Les catholiques, on leur école. Ah, c'est... Et là, on me dit qu'on va créer des écoles dans certains pays, des écoles chrétiennes. J'ai dit super, génial. Moi, le Seigneur m'a donné une petite fille de 4 mois. Je pensais qu'elle avait terminé. Et là, je suis en train de penser, je dis, il va falloir que je recommence l'école. Il va falloir que je recommence une éducation maintenant que je suis chrétienne. Je dis, mais quelle école? Comment je vais la choisir? En France, on a prévu quelque chose? Je n'entends jamais une école chrétienne, une crèche chrétienne. Et je me dis, pourquoi nous, chrétiens, on n'en a pas alors que les autres en ont? Ils ont des dérogations pour pouvoir ouvrir ces écoles-là. Voilà, je soumets l'idée. J'aimerais bien, en fait. En fait, non, c'est une très bonne question. Et puis, c'est une idée. Je peux vous dire qu'il y en a qui sont en train de... Ils sont en train de pédaler depuis quelques années là, pour le mettre en place. Oui, effectivement, on a eu les mêmes problèmes. Vous avez vu pourquoi on a pris la décision pendant toute une année de mettre beaucoup d'argent pour très peu d'enfants au Gabon. Parce que ce sont les frères qui sont venus en formation ici.
ils ont vu des frères et sœurs ici, d'origine de Madagascar et autres, qui voulaient mettre des écoles chrétiennes. Il y a tellement d'obstacles en France que certains craquent en route. Mais nous avons des frères qui sont en train d'y penser. Je sais qu'il y en a qui sont en train d'évoluer vers les 95, 93, qui veulent le mettre en place. Il y en a qui ont arrêté de travailler pour ça. Je peux vous dire que beaucoup des chrétiens souffrent de cette histoire. Il y a beaucoup qui ont arrêté de travailler pour faire l'école à la maison. Donc nous avons par exemple une sœur qui travaille avec nous au pain quotidien, hein, qui gère une structure. D'ailleurs, elle dégage du temps. Elle a arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants, pour donner des cours. Oui, nous avons beaucoup de chrétiens. Nous allons lancer encore des appels, hein, pour dire aux frères et sœurs qui sont capables d'enseigner que voilà, les besoins sont... Beaucoup de chrétiens ne veulent plus donner leurs enfants à l'école publique. Et nous le voyons, c'est difficile pour nous-mêmes de dire que mais c'est quoi cette histoire-là et tout. Il y a des fois, quand on a éduqué son enfant et puis il arrive au lycée et que tu vois que l'éducation chrétienne a pris, tu dis Seigneur merci. Mais le problème, c'est qu'il y a des dégâts, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi parce que l'environnement n'était pas bon. Oui, il y a beaucoup de personnes qui veulent mettre en place des écoles. Il y a des fois, il manque de moyens. Il manque de moyens. Il faut accepter des professeurs qui vont donner cours, qui vont gagner moins que dans l'administration. Au Gabon, ils ont accepté. Hein, donc l'expérience que nous avons au Gabon, nous allons l'amener ailleurs. Hein. En Centrafrique, on va l'amener en Centrafrique et tout. Au Gabon, c'est bon. Je pense qu'à un moment donné, on va réfléchir par rapport à la Côte d'Ivoire. Oui, au Gabon, ils se battent. Cette année, ils sont passés à 30 élèves. L'année dernière, nous avons envoyé 700 euros plus les 300 euros des parrainages, donc 1000 euros par mois pour une quinzaine d'enfants. On a dit, l'école doit vivre. Il nous faut des écoles chrétiennes. Oui, c'est pourquoi on a fait ça. Et puis, ils ont pris l'élan. Et là, on va essayer de parrainer beaucoup plus d'enfants au Gabon pour qu'ils puissent avoir un peu de soutien financier. Mais en France, nous allons encore faire des émissions par rapport à ça. Nous avons, je me rappelle avoir vu des émissions par rapport aux frères et sœurs qui voulaient faire des écoles chrétiennes. On va les appeler un peu pour qu'ils viennent parler un peu où ils en sont. On va. Désolé, une question un peu plus pragmatique. Donc visiblement, en 2017-2018, c'était en déficit. Du coup, ça se passe comment? Comment c'est financé? C'est de la dette? C'est... Comment c'est? Le déficit? En fait, le déficit est reporté. En fait, les années précédentes, le pain quotidien réalisait que des excédents. Donc tout ça est reporté, c'était en réserve. Et le déficit, justement, permet... l'excès de réserve qu'on avait par les années précédentes permet justement de compenser. Ça s'est compensé. C'est pour ça cette année, c'est la deuxième année. Donc l'année prochaine, il faudra vraiment, cette année en 2019, il faudra vraiment faire des économies. Que ça se reproduise pas une troisième année. Si, il reste quand même des réserves. Ouais. On n'est pas dans une situation critique, ça c'est sûr. Il y a un poste qui est important et qui est dur à dépenser, à réduire, mais il faut essayer. C'est les frais bancaires. Quoi. C'est... Oui. Tu peux expliquer un peu de fois c'est quoi les frais bancaires? On est vraiment obligé parce que dans les frais bancaires que vous avez vus, il y a les frais que je envoie aux structures. Donc toutes les structures qu'on a sont à l'international. Il n'y a aucune structure qui est en Europe. En Europe, on a le CEPA en fait. Mais à l'international, on n'a pas le CEPA. Donc pour faire un virement, là on passe par Western Union. Et pour faire un virement au Congo, que ce soit au Congo... En Côte d'Ivoire, c'est par Western Union et c'est des frais bancaires. Donc on est obligé d'avoir des frais. Les frais sur don PayPal. Donc quand vous nous faites des dons, vous nous versez 10 euros. Nous, on ne reçoit pas 10 euros en fait. On reçoit 8 euros, mais on est obligé de supporter ces frais. C'est dû à notre activité. On est obligé de le supporter. Les frais bancaires, c'est les frais de tenue de compte. On a les frais sur un payé de 576, un par un qui a un rejet de prélèvement. On arrête et... Cette année, on est en train de réfléchir parce que l'habitude, c'est d'arrêter, de notifier le parrain de l'arrêt du parrainage au bout du troisième rejet de prélèvement.
Et ça, ça nous génère des frais. Je me rappelle, dans l'ancienne banque, on était, je crois que c'était chez Banque Populaire, on était à 9 euros sur 25 euros pour un rejet. On supporte 9 euros. Donc là, c'est vrai que ça vient du cœur, en fait, l'engagement que prend le parrain. Mais on ne peut pas le harceler pour ça. Donc cette année, on est en train de réfléchir. On va réduire le délai de 3 mois à 2 mois. Donc au bout de 2 mois de rejet, on sera obligé de suspendre le prélèvement. Les frais de communication, mais si on ne se communique pas, on ne se fait pas connaître. Là, on dit qu'on va davantage être sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je sais que la publicité sur Facebook, c'est 18 euros. Juste la publicité, 18 euros. Donc, même la refonte du site Internet, le site Internet est en cours de refonte actuellement, c'est des frais supplémentaires. Il est où, Aurélien? Quand il m'appelle, je dis non, Aurélien, je ne veux pas payer, mais il faut payer, en fait. On risque de te connaître. Je sais pas, chez moi. Non, mais les gens vont te connaître. Tu nous dis non à tout. Je suis obligée de dire non. Parfois, je passe pour la méchante, mais je suis obligée parce que j'ai aussi. Je dois vous rendre compte derrière. Je peux pas dire oui à tout, quand bien même la dépense elle est justifiée. Je peux pas dire oui à tout. Après, on a les frais postaux. Tous les parrains qu'on a n'ont pas de boîte mail. Donc, on est obligé d'envoyer des courriers. Là, j'ai des courriers en retard. Parfois, quand j'envoie un courrier, je me pose 1000 questions. Est-ce que cette adresse, elle est correcte? Parce que les retours de courrier sont énormes. C'est des frais, en fait. Et on a, par exemple, pour les reçus fiscaux, des parrains qui sont à l'international. Par le passé, on se disait, ils sont à l'international. Ils n'ont pas besoin de déclarer les dons qu'ils font pour la déduction. Mais de plus en plus, les parrains de l'international nous demandent leurs reçus fiscaux. Donc, ce sont des frais aussi. Donc, les frais que vous voyez là sont vraiment... Je ne sais pas. Parfois, je regarde, je fais, mais où est-ce que je vais faire de l'économie? Mais je ne sais pas où est-ce que je vais faire de l'économie, en fait. Des astuces et je sais que Western Union c'est indispensable mais ça coûte super cher quoi. Et là au vu des réglementations bancaires qui s'endurcissent en fait on est contraint. Western Union nous a créé un blocage pas possible en début d'année. On a essayé de faire le nécessaire pour que vous soyez pas impacté mais la réglementation s'endurcit. Juste une petite idée. À l'époque moi j'avais regardé pour ouvrir des comptes avec des banques locales. J'avais cherché avec Bank of Africa, je crois. Oui. Et en fait, on pouvait ouvrir des comptes en France, en différents pays d'Afrique. Ouais. Et du coup, ils avaient des frais qui étaient moins importants que Western Union. D'accord. Après, ça fait du coup des comptes à gérer à droite à gauche. Oui. C'est juste des idées. Parce que moi, je fais cet argent, je trouve que c'est dommage qu'il y a des banques qui ne servent pas grand-chose quoi, et pas aux enfants. Mais je sais que c'est difficile. C'est clair, c'était ouais. Juste s'il n'y avait pas des petites pistes additionnelles à chercher. Et parfois, on a essayé des virements dans certains pays. Quand on fait le virement, la structure ne reçoit pas exactement le montant qu'on a envoyé. Il y a la banque là-bas qui déduit encore des frais. On est obligé, en fait, je ne sais pas. On met ça en prière, on réfléchit, on verra comment le Seigneur nous donnera davantage d'idées. On est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a mis ces temps de questions et de réponses avec vous. Si vous avez des idées, des projets, on est preneur, on est ouvert complètement. Peut-être qu'une banque en ligne coûterait moins cher. Je suis passée d'une banque en dur à une banque en ligne, justement pour me supprimer tous les frais bancaires injustifiés et inutiles de la banque en dur, soi-disant parce qu'elle tient mon argent, qui est le mien et que j'ai gagné. Elle m'enlevait 81 euros par an. D'accord. Donc voilà, c'était... Mais vous, en tant que particulier, en mais tant que professionnelle, voilà, je crois pas. Je sais pas comment ça s'articule. Parce qu'on avait pensé aussi à... Je suis une association. Il y avait eu cette histoire de carte, je sais plus comment ça s'appelait, c'était Néo, Netto, je sais plus, un système de carte qui permettait en fait de faire des envois moins coûteux en fait. Mais on nous demandait des pièces d'identité. Il fallait que le porteur de la carte soit résident en France. Donc, on ne pouvait pas contourner on aussi le système. On mettait des bâtons dans les roues. Voilà. Ouais. Ok. Oui, justement, je rejoins ce que vient de dire la sœur parce que moi, avant, j'étais à la Société Générale et puis c'est vrai que c'est très cher, les cartes bancaires et tout ça. Chez ING, deux cartes Mastercard, 0 euro. Et donc, il faudrait peut-être interroger ces banques-là parce aussi. Que je pense qu'à ce niveau-là, peut-être
Bah, encore une fois, poser, moi je ne sais pas, hein, il faudrait aussi que je lise leur, tous leurs détails, mais en tout cas, il y a peut-être une piste aussi. Et puis c'est vrai, vous mettez effectivement souvent, comme beaucoup de gens sur les sites, paiement par PayPal. Et je me rappelle, tu m'en avais parlé et tu m'avais dit forcément, si tu payes par PayPal, bon, c'est une facilité pour nous, il hein, faut l'avouer, ouais. Mais effectivement, bah, PayPal, tac, il sucre en, au passage, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai opté après pour le virement bancaire directement, parce qu'au moins là vous avez la totalité. Et je pense que ce serait peut-être bon de faire aussi une information au niveau sur des donateurs ou des parrains pour essayer dans la mesure du possible. Oui, c'est un peu plus contraignant, mais bon, je crois que il y a un prix à payer dans, en toute chose, et voilà, ça aussi. Ouais. C'est clair. Ouais. Et c'est, en 2018, on a eu pas mal de dons via les virements. Mais le petit souci aussi avec les virements, c'est que les donateurs nous font des virements et ils ne prennent pas la peine de nous donner leurs contacts. J'ai reçu plein de virements, j'ai des reçus fiscaux que je ne peux pas envoyer parce que je n'ai ni le mail ni l'adresse postale du donateur. C'est très bien le virement, il n'y a pas de frais générés, mais je ne suis pas en contact avec le donateur. Non, vous, je vous connais, donc quand je vois vos noms, ah ouais, j'ai vos contacts. Ah, mais moi, je suis... mais ouais, un nouveau donateur qui d'accord. va sur le site du pain okay. quotidien, qui a là, ou qui a le RIB du pain d'accord. quotidien, décide de faire un virement au pain quotidien, mais ne prend pas la peine d'informer le pain quotidien. Ouais. Voilà, ouais. J'ai mon adresse, ouais. Juste un petit contact qui permettrait d'établir, d'accord. de pouvoir rendre d'accord. compte. Oui, parce que dans les derniers voilà. temps, bon, je ne mettais plus rien, quoi. Mais bon, je me suis dit, bon, effectivement. OK. Donc c'est bien les virements, mais il faut prendre aussi la peine de donner ses contacts pour qu'on puisse vous rendre compte, en fait. Ouais. On évite quand même les espèces, parce que beaucoup de choses peuvent se passer. Mais c'est plus facile les espèces, mais on est en 2019 maintenant, et le système en fait qu'il y a plein de contrôles. Donc si moi je vais déposer, je crois, je ne sais pas si je reçois plein de dons en espèces là aujourd'hui, et je vais à la banque déposer 5000 euros, la banque va me dire... hein? Oui, mais la banque préfère dans le système bancaire maintenant, il faut que tout soit tracé. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des moyens. On évite quand même les espèces. Quand on peut, on évite. Parce que tous les mois, vous allez venir vers nous pour nous donner des espèces. Aussi, c'est un peu contraignant, je crois. Je ne réponds pas. Mais même pour vous aussi, quand oui. on le reçoit, parce qu'on reçoit parfois certains dons de frères et sœurs dans les assemblées qui donnent, on veut donner 20 euros au pain quotidien. Donc vous remettez peut-être à Helmaud 20 euros. Le temps que Helmaud vienne donner à la trésorerie à 20 euros, il faut qu'Helmaud se rappelle du nom de la sœur qui a donné 20 euros. Il faut qu'elle ait pris les contacts aussi de cette sœur-là qui a donné 20 euros. Il faut que celle qui a déposé les 20 euros sur le compte se rappelle aussi que c'est 20 euros de telle sœur qui habite à tel endroit pour que ce soit enregistré dans les... c'est compliqué. Oui, c'est clair. Mais c'est pour dire qu'on est parfois tenu de les payer. C'est vrai qu'on vous avait parlé des banques en ligne. On va essayer de creuser le sujet pour le secteur associatif. Mais vu qu'on a une activité où on vous fait des prélèvements, il faut qu'on ait absolument un contact avec la banque. Parce que dans les banques en ligne, je ne crois pas que vous ayez la possibilité d'appeler la banque. C'est possible ? D'accord, mais on va creuser là-dessus. Au revoir. D'accord. D'accord, ok. Non, ok. On essaiera de creuser le sujet. Oui, les chèques, c'est possible. Oui. Oui, bonjour. Vous n'avez pas parlé de l'association Bomoyi, parce que ma famille est engagée en parrainage enfants et projets au Ghana, mais j'avais vu une émission, je crois oui. que c'était Nana qui avait parlé d'une nouvelle association Bomoyi, oui. je pense que c'était sur le Congo, j'ai demandé pour parrainer un enfant là-bas depuis l'année dernière, fin de l'année dernière, j'ai jamais eu de nouvelles. Le pain quotidien a beaucoup d'enfants. Il a beaucoup d'enfants, il y a des fois nous-mêmes on ne sait pas, on ne sait même pas.
Parce que là, tout à l'heure, j'ai vu des sœurs qui sont venues de Niort. Je sais qu'ils veulent... Il y a d'autres villes, hein, ils veulent qu'on aille là-bas pour une formation par rapport au social. Ce que nous faisons, nous allons donner des formations aux frères et sœurs dans certaines villes, qu'ils fassent comment le Seigneur leur conduit. On leur montre simplement ce que nous partageons ici avec vous, ils le mettent en place et puis ils continuent eux-mêmes. Donc après, on découvre que, waouh, dans telle ville, il y a une association qui a commencé. Le cas des Bomoï, oui, effectivement, c'est une sœur, c'est un couple qui ont mis en place ces structures, qui ne nous rendent pas forcément des comptes. Des fois, quand on voit waouh, les actions qu'ils ont fait, dit mais venez, faites une émission, parce que là, c'est beau ce que le Seigneur fait. Ils font une émission, mais ils ne nous rendent pas des comptes. Comme vous avez vu, hein, on a cité les noms de la Voix des Sans-Voix, le Grenier Solidaire, la Réserve des Sarcelles. C'est des associations que je connais, hein, la Miséricorde à Tours. Et c'est plein d'associations comme ça. Mais ils ne nous rendent pas des comptes, parce qu'on veut qu'ils évoluent comme le Seigneur les conduit. Effectivement, on peut leur demander de venir nous faire une émission pour que vous puissiez avoir un petit compte-rendu par rapport à ce que le Seigneur fait. Je leur dirai, hein, de toute façon, je connais. Ah oui, non, je vais les appeler comme j'ai vos coordonnées, c'est bon. Et juste pour compléter la réponse du frère Pierre, en fait, ces associations ne nous rendent pas compte si on ne les soutient pas, en fait. Dès lors, en 2018, je crois en 2017, on avait soutenu l'association Bomoï pour des inscriptions au Congo. Donc là, elle est venue avec un rapport, elle nous a rendu. On sait ce qui a été fait avec les dons qu'on leur a fait. Donc en 2018, on n'a pas eu à soutenir leur activité. Donc on ne peut pas en parler parce que non, c'était pas, on n'est pas intervenu. Merci. Effectivement, pour Bomoï, c'est facile. Vous avez appelé la sœur Nana? Ah, parce que je l'ai appelé et ça s'est fait systématiquement, parce que c'est des bébés, en fait, qui s'occupent des bébés de maternité. Et je l'ai appelé et en fait, ça s'est fait rapidement pour faire le parrainage. Non, c'est pour ça que je ne comprenais pas. J'ai été chercher sur Internet, justement, Association Bomoï. Il y a tout dessus et on l'appelle et puis elle nous dit ce qu'il faut faire et ça se fait systématiquement. Donc, il n'y a pas de souci. Je voulais juste demander si vous avez essayé Western Union en ligne. Parce que les dons d'envoi sont moitié pris de si on à est, la poste. On est actuellement sur Western Union en ligne. D'accord. Et il y a aussi un comparatif de PayPal qu'on appelle Eloasso. Là, c'est gratuit. D'accord. Les gens versent les dons dessus. D'accord. Ils récoltent tous les dons du mois. Okay. Et le mois d'après, avant le 15 du mois d'après, ils vous les reversent à titre gratuit. Gratuit. D'accord. C'est okay. Juste une on info. Eloasso. D'accord, on va regarder ça. Okay. Je crois qu'on y a été une année. Oui, mais on va voir parce qu'ils m'ont écrit là. On n'était pas trop connu. Les gens connaissaient plus PayPal, c'est pour ça qu'on a gardé PayPal. Mais on pourra de plus en plus mettre des liens avec Eloasso. Oui. Moi, j'avais une question en fait par rapport aux frères et sœurs qui sont professeurs. Je voulais savoir comment ils sont payés. Est-ce qu'ils travaillent bénévolement ou est-ce qu'ils ont un revenu, à savoir qu'ils enseignent les enfants? Donc, comment eux, ils font pour survenir aux besoins de leur famille personnelle, en fait, s'ils n'ont pas de salaire? Est-ce qu'ils ont un salaire ou comment? Vous voulez parler du cas de la Colombie ou du cas du Gabon? Du Gabon ou Colombie. Ou les professeurs, quoi, les professeurs, comment ça paye, en fait? Alors, on a eu ces problèmes parce que ben, y a des gens qui mélangent tout. Par rapport aux professeurs. Et c'est une école chrétienne. C'est une école. Les professeurs, ils ne demandent pas avoir des primes comme les païens, mais c'est une école. Donc, ça veut dire qu'ils ont des salaires. Les frères et sœurs qui travaillent, donc les professeurs dans ces écoles chrétiennes, c'est des professeurs d'école. L'enseignement que les enfants reçoivent dans ces écoles, c'est les enseignements des professeurs d'école. Ce n'est pas quelqu'un qui se réveille et dit que je vais donner cours. Non, c'est des vrais professeurs qui quittent les écoles publiques. Ils viennent dans ces écoles chrétiennes. Ils gagneront peut-être moins, mais ils ont un salaire. Et du coup, certains, ils ont commencé à se plaindre en se disant, mais comment ça, vous faites les écoles chrétiennes, c'est payant. Mais c'est des écoles. C'est vrai que parfois, les chrétiens ont tendance à tout vouloir gratuitement. C'est vrai que le Seigneur nous parle en fait de la gratuité, mais il y a des choses, en fait, par exemple, les professeurs qui quittent, on va dire, le circuit public
pour aller enseigner les enfants. Donc, ils ont une famille aussi à nourrir. C'est un travail qu'ils font quotidiennement. Oui. Donc, si maintenant tout doit être gratuit, à ce niveau-là, comment ces gens font pour nourrir leur propre famille, puisqu'ils donnent du temps. Oui, oui, il y a eu, effectivement, il y a eu ces problèmes au Gabon parce que certains commençaient à se plaindre. Comment ça, on a dit qu'il y avait la gratuité. Donc, ils voulaient aussi que leurs enfants aillent dans cette école et que ça soit gratuit. On a dit non, c'est des professeurs, il faut qu'on les paye. C'est pourquoi on les a soutenus. C'était pour lancer un vrai message pour dire que non, c'est des écoles, ces professeurs doivent être payés. Voilà. D'accord. Donc aussi, j'avais une autre question, c'était par rapport à la colo pour ici en France. Est-ce qu'il pourrait avoir en fait, une colonie pour les enfants, les ados? Et encore une fois, que les chrétiennes comprennent que tout, il y a quand même une participation, puisque quand ils allaient avant, on payait. Donc, il faut aussi que nous ayons ça dans la tête, la participation, parce que c'est quand même aussi trop facile à tout. Pas de participation, ben, tout doit être gratuit. Ça, c'est quelque chose, moi, personnellement, que je trouve irresponsable de la part des chrétiens. Voilà. Ok. Donc, effectivement, c'était en 2017. Hein. Le premier, pourquoi on avait fait l'activité en France, c'est parce qu'on voulait mettre en place une colonie chrétienne. On avait tout organisé avec une structure qui nous avait donné un endroit à aller avec des activités à faire avec les enfants. Et bah, voilà, on n'a pas pu mettre en fait cette activité en place à cause finalement du financement. C'est toujours un problème à cause du financement. C'est pour ça qu'on s'est rabattu sur des activités d'abord déjà pour mieux connaître les enfants, pour mieux connaître aussi les familles. Parce que je pense que aussi pour une première fois, pour les familles, d'envoyer directement leurs enfants en colonie, ce n'est pas évident. C'est pour ça que bon, on s'est dit, bon bah, c'est pas grave, on a vraiment ce projet de colonie à cœur avec l'équipe du pôle activité. Mais pour l'instant, voilà, on veut faire connaissance avec les familles, on veut faire connaissance avec les enfants, parce que c'est aussi, bah voilà, la confiance aussi, parce qu'envoyer ses enfants, même si c'est 4 jours. Même si c'est 4 jours, c'est quand même quelque chose. Donc du coup, on organise ces petites journées-là. Et c'est un projet, j'en ai pas parlé encore parce que c'est encore un projet. Mais en tout cas, c'est un projet, les colonies. Ce sera pas des grandes colos comme on avait voulu faire une semaine tout de suite, non. D'abord, ce sera voilà, 3-4 jours, pas très loin, on s'est dit, dans une petite campagne pour, voilà, déjà juste, voilà, 3-4 jours. Et ensuite, on verra comment le Seigneur nous conduira. Mais il faut aussi qu'on soit patient, parce que quand il y a quelque chose de nouveau, bah, faut aussi que les gens puissent... c'est dur d'instaurer quelque chose de nouveau, finalement. Donc, bah, on avance petit à petit, mais la colo, elle aura lieu au nom de Jésus. Pour compléter aussi d'autres difficultés qu'on a rencontrées pour mettre en place le projet pour l'eau, parce qu'on a essayé à 2 reprises, hein. Il y avait aussi le côté administratif, parce qu'il faut respecter certaines conditions à respecter. Et vu qu'on n'est pas forcément du domaine, ça nous a un peu pris du temps à creuser, à se mettre aux normes, à avoir les diplômes qu'il fallait. On n'avait pas forcément tous les diplômes qu'il fallait. Donc il y avait eu plusieurs contraintes qui ont fait qu'on a tout le temps repoussé un peu ce projet. Mais on a toujours ça à cœur, c'est toujours d'actualité, voilà. Ouais, je voudrais rebondir, effectivement, ce que dit la sœur, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils vivent dans un monde de bisounours et qu'ils ne sont pas responsables. Je ne sais pas, moi, est-ce que, alors à ce moment-là, on va demander à un chrétien boulanger de créer sa boulangerie, puis on va venir manger gratuitement du pain, etc. Je crois qu'il faut avoir un peu plus de responsabilité, parce qu'on est chrétien, oui, mais tout n'est pas gratuit, je suis désolé. Et puis, ces gens qui disent qui réclament tout gratuitement, moi, je serais... excusez-moi, mais je voudrais leur poser la question, mais qu'est-ce que vous donnez, vous, gratuitement aussi? Là, je crois qu'il faut quand même que les gens aient un peu les pieds sur terre aussi, parce que on vit dans un monde qui est sous la puissance du malin. Ça, je pense que chaque chrétien doit le savoir. Et on sait que l'argent, ça vient pas de Dieu. L'argent monnaie, ça vient du diable. Donc, il faut savoir qu'on vit sur cette terre, et Dieu le sait. Mais Dieu nous teste aussi, voir un peu la générosité de notre cœur aussi. Parce que c'est trop facile. Vous savez, moi j'ai connu aussi, parce que bon, j'étais responsable dans une église avant traditionnelle, et je voyais toujours les mêmes qui demandaient des choses. Mais je leur dis, mais vous, qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que vous nous donnez? Qu'est-ce que vous nous apportez? C'est trop facile d'aller toujours dans le même sens. Et moi, j'aimerais faire un appel justement à tous les chrétiens, enfin, ceux qui se disent réellement chrétiens, mais soyons responsables. Parce que tout n'est pas gratuit, je suis désolé. Voilà, c'est tout. C'est pareil, je profite pour juste rejoindre ce que le frère dit par rapport à payer, donner de l'argent pour que l'œuvre puisse continuer et ne pas donner la dîme. Donc les gens, ils mélangent tout en fait. Quand ça les arrange, ils mélangent. Donc ce qui fait, il y a des difficultés dans certaines assemblées pour payer le loyer parce que les chrétiens, pour eux, dans leur tête, on ne donne pas de dîme, on ne donne rien. Mais il faut que l'œuvre avance. Donc c'est vrai, comme le frère disait, effectivement, je le rejoins, il faut que les gens aient les pieds sur terre et comprennent où ils sont, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, et pas faire des choses n'importe comment, parce que nous, on ne voit pas ce qu'ils pensent dans leur cœur, mais le Seigneur, il sait, il voit. Donc voilà, je trouve ça dommage. C'est clair. Juste une petite question. Vous avez parlé il y a l'Ouganda, que vous avez commencé à travailler avec eux depuis peu de temps, mais vous n'avez pas dit... Bon, alors c'est moi qui n'ai pas entendu. Ce que vous avez mis en place avec eux, comment ça se passe et tout ça. Alors l'Ouganda, c'est en Ouganda, on a fait le puits, c'est ça, hein? Le puits qui a été construit. Oui, on avait présenté... c'est en Ouganda qu'on avait parlé du toit. C'est en Ouganda qu'on a parlé de la réfection de la maison, hein, où on a fait le sol, où les enfants nous ont fait des photos, ils dormaient par terre, parce qu'avant, c'était en terre. Et c'est en Ouganda qu'on a fait le puits. Et puis là, nous avons maintenant commencé le parrainage enfant. Nous avons 15 enfants. L'objectif, comme je l'ai présenté tout à l'heure, c'est d'avoir 30 enfants.